Bienvenue sur cette nouvelle vidéo bonsaiculture.fr, la première vidéo de 2023. Je suis venu voir JP Waro, consultant auprès de la collection des bonsaïs du parc floral, et on va discuter ensemble des différents travaux qu'il prévoit sur les arbres de la collection, sur les mises en forme principalement, puisqu'il est, il est en charge depuis 2 ans maintenant de remettre en forme d'une manière esthétique les arbres, hein, qui sont entretenus, qui sont parfaitement entretenus, mais ils ont besoin d'être remis au niveau esthétique du bonsaï. Et en ce début d'année 2023, eh bien, on va faire un petit point sur les différents arbres de la collection. Alors, pas tous les arbres de la collection, mais les principaux et ceux sur lesquels il y a le plus gros travail à faire. Donc il va nous expliquer ce qu'il prévoit de faire. Et ça va nous permettre d'ailleurs, entre parenthèses, de voir l'évolution de ces arbres. Il y a certains arbres qui sont déjà en vidéo sur la chaîne Bonsaï Culture. Et vous allez pouvoir suivre les prévisions, hein, en tout cas ce qu'ils voient sur les évolutions de ces arbres. Et lorsque vous viendrez voir la collection du parc floral, vous pourrez voir ce qui a été fait et le travail effectué. Salut JP. Salut Jean-Yves. Comment vas-tu en ce matin froid pluvieux. Attends, janvier. Janvier. Ça fait maintenant 2 ans que tu es là. Ça fait 2 ans et du coup, je renouvelle encore pour 2 ans. Mm-hmm. Donc pour continuer le travail et améliorer les arbres. Il y en a encore certains qu'on va peut-être changer au niveau des pots. Il y en a des formes peut-être. Voilà, les formes surtout. On va continuer pour la plupart des feuillus. Là, de toute façon, on va faire un petit tour. Ouais, on va faire un petit tour de l'ensemble de la collection. Pour vous montrer tout ça et voir un peu les projets. C'est ça. Parce que mine de rien, tu as commencé depuis 2 ans, là, tu as quand même pris des directions importantes dans la forme et dans les formes des arbres. Et donc, tu es reparti sur des critères du bonsaï tels qu'on peut le concevoir au Japon. Oui, enfin, un critère après, japonais voilà, du bonsaï. Oui, voilà. Après, c'est dans l'esthétisme, c'est surtout parce qu'il y avait des arbres qui n'avaient pas été assez taillés, qui n'avaient pas été assez travaillés. Il n'y avait plus de ligature. En fait, le bonsaï, il n'y a pas, de secret. On peut plus ou moins travailler les arbres, mais si on ne les travaille pas du tout, ils se déforment et il faut tout recommencer. Et il y a des choses à faire plus ou moins importantes. On peut le dire, il y a pas de, enfin, c'est pas un secret, tout le monde le sait, c'est qu'au départ de Alain Barbier, il y a eu un arrêt brutal de quelques années de ligature. L'entretien a toujours été fait. Ouais. Il y a toujours, les arbres, ils ont toujours été entretenus au minimum. Mm-hmm. Mais c'est vrai que tout ce qui était aspect esthétique a été arrêté pendant quelques années. Et donc, on a vu la différence. Donc, toi, tu es là pour remettre l'esthétisme un petit peu dans la collection. Quoi. C'est ça. Pour retravailler un peu les arbres et puis toujours le but à chaque fois quand on met les mains dans l'arbre, c'est qu'ils soient encore plus beaux. C'est ça. Si quand on met les mains dans l'arbre, on trouve l'arbre moins bien, c'est qu'il y a un problème. C'est clair. Qu'il y a un problème. Et donc, si on fait le tour de la collection, quels sont un peu les arbres sur lesquels tu prévois des gros changements? On sait qu'il y a le pin noir, le Kuromatsu, sur lequel tu as fait une mise en forme assez drastique, mais qui est superbe là. Ouais. C'est quoi les prochains gros changements, on va dire? Alors, du coup, lui, là, le plus gros a été fait parce qu'il y a eu la mise en forme qui a été faite l'automne dernier. C'est ça. Et le rempotage au printemps de 2022. 2022, ouais. Donc, le plus gros a été fait. J'avais même encore enlevé une branche juste avant l'expo. Ouais. En octobre. J'avais enlevé cette grosse branche-là qui était très longue et qui sortait, qui faisait vraiment un gros plateau. Donc, je l'ai encore réduit et on en avait déjà parlé. Pour moi, cette branche-là, à plus ou moins long terme, elle va sauter, c'est celle-là qui fera office de première branche principale. Et celle-là, en fait, elle est tellement grosse. On en a même parlé avec Rémi Sanson. Oui, c'est vrai, quand il est venu. Oui. Et quand il est venu, il a dit, voilà, cette branche-là, maintenant, elle n'a plus trop d'intérêt. Elle est quand même, elle a une forme assez spéciale et elle est moins intéressante. Elle sera belle pour faire un beau bois mort. C'est ça, ouais, un gym. Là, après, le plus gros du travail, ça va être d'améliorer toute cette partie-là, là. Mmh. Que ça devienne un peu plus comme ça plutôt que d'avoir ce gros bourrelet là, cette grosse plaie. Donc travailler le bois mort en charrie, en creusant, ça va se faire, on verra sûrement ça cette année. Et sinon là, le but c'est que ça pousse, c'est que ça fasse des belles chandelles cette année pour pouvoir bien les tailler
et que je puisse faire le mekiri et avoir plein de nouveaux bourgeons pour densifier, continuer la densification de l'arbre. Donc lui, il est avec... bon, ce pot, c'est peut-être pas le pot définitif. Bah, en tout cas, pour l'instant, ça lui va bien. Ça lui va bien. Il n'y a pas de... Pour l'instant, on n'a pas encore vu s'il y a des achats de pots en vue ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ce pot-là lui va très bien et un pain, ça peut rester facile plus de 5 ans dans le même pot. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas d'obligation. Là, on n'est vraiment pas pressé. Là, là maintenant, il faut le laisser pousser. C'est ça. Bon, bah, lui, on va le laisser tranquille pousser. Alors, donc, la prochaine opération, c'est quoi? C'est le tocho, peut-être? Alors, du coup, cette semaine, ouais, j'aimerais bien, dans les conifères, lui, ça va être un arbre que je n'ai pas trop touché depuis que je suis là, d'ailleurs, depuis les 2 ans. Il n'y a eu que de la petite taille d'entretien pour garder un peu les plateaux. Parce que c'était pas vraiment urgent, je me suis plutôt occupé des autres. Lui, comme il était en très bonne santé et que tout allait bien, j'attendais de vraiment faire les autres qui en avaient le plus besoin avant d'attaquer celui-là. Et là, cette semaine, je pense que je vais me faire plaisir et je vais enfin pouvoir mettre les mains dedans. Et tu voulais refaire les plateaux, tu disais ? C'est ça. En fait, du coup, moi, ce qui me gênait sur cet arbre-là, c'est qu'il est un peu taillé comme un Iwaki. Oui, c'est vrai. Et que c'est... On va dire c'est de la taille pas grossière mais très simplifiée où ça fait vraiment des nuages mais presque trop gros nuages. Donc ça c'est très beau sur un arbre de jardin. Pour le bonsaï on va un peu plus dans les détails et le but c'est de redonner un peu de rythme, de faire des plus petits plateaux, de redescendre les branches qui commencent un peu trop à monter. Oui, ça se voit, on voit bien là d'ailleurs que tout donc remonte. Donc là le but ça va être assez facile de redescendre tout ça. Il va y avoir des branches qui vont être un peu plus compliquées sur tout ce côté-là, parce qu'elles commencent à être grosses et en plus elles remontent. Ouais, il va y avoir des branches qui vont être plus ou moins faciles à descendre. Le but, c'est de redonner un côté un peu plus dramatique, que ça fasse moins chandelle dans les branches et redonner un peu de rythme plutôt que d'avoir des grosses masses comme ça, énormes. Parce que du coup, en plus, on voit ici, il y a des petites branches qui n'ont pas assez de lumière, qui sont vraiment très faibles. Donc ça va être de ramener ça vers la lumière, de redescendre un peu tout ça, de faire une petite sélection de branches et de lui redonner une nouvelle jeunesse. C'est ça, mais lui finalement dans le fond, la forme ne va pas changer drastiquement. Non, ça va être vraiment d'améliorer les plateaux. C'est ça, ok. Justement pour qu'on revoie sa forme originelle un peu mieux d'ailleurs. Bah c'est ça, parce que là en fait, là le truc, c'est que là, ça commence à faire vraiment buissonnant. Ça fait vraiment. Et en plus, là, je suis sur l'Ura, je suis même pas en face, mais de l'autre côté, alors je sais pas si je vais avoir assez de recul, mais sur la face avant, ça se voit aussi bien. Ouais, là, on voit. Enfin, surtout sur ce côté-là, le côté gauche quand tu es en face. Attends, je mets mon doigt là. Ouais. Mais ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire sur Là, sur genre de grosses masses, vraiment, déjà, en faisant ça, déjà, on va pouvoir déjà facilement séparer. 1, 2, peut-être 3, là peut-être 4 derrière. Est-ce que sur un plateau comme ça qui est très très grand, est-ce que tu le raccourcirais ou pas? Est-ce que tu as réfléchi à ça déjà? Ça dépend. Il y a pas, pour moi, il faut toujours rester plus ou moins dans une sorte de silhouette un peu triangle. Le fait de descendre, déjà, ça va réduire. Oui. Après, on n'est pas juste obligé de descendre comme ça. On peut descendre en avançant, en reculant. On joue avec la profondeur aussi. Bien sûr. Donc, pour moi, tant que la branche... Bah après, la longueur et la hauteur, c'est une question de goût aussi et de proportion. Oui. Il y a des gens, ils vont aimer des grandes branches. Il y en a, ils vont préférer des trucs très courts. Moi, la longueur ne me gêne pas plus que ça. Je verrai quand je vais descendre. Et puis, si ce sera au feeling. Hein, Bien sûr. D'accord. Donc, c'est pour le tocho. Après, on avait quoi? Le genévrier. On a commencé déjà un gros boulot dessus. C'est ça. J'avais coupé la plus grosse branche là, qui me posait problème parce qu'elle remontait vachement. Ouais. À descendre, ça aurait été compliqué. Et du coup, voilà, on avait parlé peut-être d'un bunjin, quelque chose comme ça, on va voir. En tout cas, là. Ah, c'est pas sûr ça finalement? Bah, en fait, déjà, je vais faire avec les branches que j'ai. D'accord. Un bunjin, ça se fait pas juste parce qu'on veut faire un bunjin. C'est un peu dommage d'enlever quand on a beaucoup de belles branches et de faire un bunjin. Après, c'est vrai que dans la conicité et dans la longueur, c'est un candidat pour un bunjin. Parce qu'on n'a pas un gros tronc, on a du mouvement. Il est longiligne, quoi. Il est très longiligne. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Après, là déjà, dans les branches qui sont ici, de toute façon, je vais sûrement les simplifier.
Mais le but, c'est un peu le même principe que le tocho. Là, on voit que ça fait un peu chandelle aussi, oui. C'est en train de remonter. Oui, elles sont toutes très longues et voilà. Très remontantes. Et le but, c'est de redescendre. Parce que du coup, voilà, ça, c'est dû à un manque de travail sur du long terme, sur un arbre. Pas de ligature. Il va pas vraiment monter comme ça. Donc lui, il n'était pas sûr encore sur le silk budding. Donc déjà, voilà, tu pars façon, sur... c'est sûr que je vais redescendre les branches, ouais. Je vais le placer. Et de toute façon, ça va se et voir. Et en fonction de ça, je vais voir si j'enlève plus ou moins de branches. D'accord. Je vais voir. C'est vrai que tu avais commencé, tu avais fait quelques jeans et tout. Ouais, j'avais amélioré un peu les charries. Ok. Et après, si on passe aux feuillus et notamment les érables de la collection. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes sur lui? Ouais. Qui est un arbre un peu particulier parce que c'est un des arbres centenaires de la collection. Ouais, donc du coup, lui, on voit qu'en plus des yeux, il a morflé un peu. Ouais, il avait perdu sa tête, il a recréé une tête. Ouais, donc j'ai recréé la tête. Donc là, il y a encore des petits ajustements à faire. Là, on voit que le fil, il a un peu détendu. Donc je vais réajuster un petit peu les branches. Mais en tout cas, je suis assez content de lui avoir redonné une silhouette. Oui, c'est ça, parce qu'il avait plus de silhouette. Très, hein. Il était très bizarre. Bah, il était complètement, la tête était complètement coupée et comme si tu coupais, tu sais, un arbre de haie, comme ça, net, ouais. Et il y a un tronc, quoi. Donc, c'est intéressant parce qu'il va retrouver une forme sympathique, surtout quand là, il va y avoir les feuilles. Ouais, et il avait bien réagi, il avait bien poussé cette année. Il avait été rempoté, je crois, il y a 2 ans. L'année où j'ai eu GTA. C'est ça. Et du coup, j'avais fait la mise en forme l'année dernière. D'accord. Donc, en devenir, mais surtout un retour un petit peu pour lui. Un retour, ouais. Là, il y a moyen, surtout en feuilles, il est assez beau. Donc, il a des branches un peu spéciales. Il y a beaucoup de départs multiples, etc. Mais voilà, c'est son côté atypique. Et on verra comment il évolue. Là, voilà, sur un charme, on a rarement des charries, mais bon, ouais. C'était un peu pourri. Il y a encore des plaies à reprendre. Mm. Il y a encore pas mal de boulot, mais c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise, et puis c'est un arbre dans la collection, comme je l'ai dit, là, qui a 100 ans, quoi. Ouais. C'est un arbre centenaire. C'est quand même, pour un vieux pépère. Ouais, c'est notable. Ouais. Donc, donc retour pour lui. On va pas le surnommer le zombie, hein, mais... Alors les érables. Parce que les érables, il y en a quelques-uns dans la collection. Il y en a quelques-uns qui sont assez beaux, qui ont un beau potentiel. Donc les premiers gros travaux que j'avais fait, c'était les rempotages. Ouais. Parce qu'ils étaient dans des pots qui étaient deux fois plus gros, et deux fois trop gros aussi d'ailleurs. Pas forcément aux proportions. En plus en non émaillé, donc du coup moins intéressant surtout en hiver. Alors que là, on voit déjà... En hiver, on a une jolie couleur. Donc maintenant, on a des branches. Donc j'avais les premiers travaux que j'avais fait quand même, j'avais quand même pas mal taillé. Mmh. Mais il y a encore du boulot. On voit que la taille, ils ont bien réagi, ils ont bien bourgeonné, ils commencent à se ramifier. Maintenant, il va falloir quand même, parce que là, on voit pareil le manque de travail entre guillemets, c'est-à-dire que les branches, surtout sur celui-là, ça se voit pas mal. Ça se voit pas mal, ouais. Lui, il a vraiment les branches qui remontent vraiment beaucoup. Donc là, le but, ça va être de réouvrir un peu les branches et de redescendre le plus possible pour laisser de la place aux branches du dessus, etc., etc. Pour vraiment, plutôt que d'avoir quelque chose comme ça, de vraiment réouvrir et dans les places, dans l'espace vide qu'on va avoir, qu'on ait des branches qui continuent à se ramifier. C'est ça. Sachant que les érables, mine de rien, malgré le manque de travail, puisque c'est en l'occurrence pour les érables, c'est ça, c'est un manque de travail parce qu'il y a eu de l'entretien, mais pas de voilà, travail. Voilà, il y a eu de l'entretien, mais c'était très léger. C'est ça. Les érables, tous les érables de la collection sont super vigoureux et ça, non, c'est cool. Ça, quoi. Ouais. Et ils réagissent bien à chaque fois aux travaux. Ouais. Il y en a quelques-uns qui ont perdu quelques branches, surtout celui-là. Ouais. Mais la plupart sont vigoureux. Voilà, sont vigoureux et sont. Même d'ailleurs là, tu travailles le trident, là, le berger, ouais. Le KED, et il est en pleine forme. Hein. Ah ouais, il pète la forme, donc je lui ai enlevé pas mal de. J'ai rééquilibré un peu les forces en le taillant un peu, donc. Ça va être un bon truc, ça aussi. Il y a des choses à faire. Donc, dans la catégorie érable, alors on a aussi celui qui est là-bas, là, que je vois au fond. Là, qui est, celui-là, ça, c'est un de mes préférés. Oui, donc, il a une forme magnifique et il n'a pas perdu de grosses branches, lui. Non, ça va. Et lui, du coup, pareil, on voit surtout sur les premières branches, en bas, à gauche et droite, il va falloir vraiment bien descendre
parce qu'on là on voit que les branches elles sont vachement rapprochées entre elles. Le but c'est de les espacer un peu plus et d'ouvrir pour que du coup les branches aient de la place pour se ramifier et qu'elles soient pas en train de se gêner aussi. C'est ça. Là le même principe. Ouais. Après lui pareil, lui c'est un arbre qui est... il y a un des troncs qui avait un peu plus souffert. Après voilà, on voit qu'il repart. Ici ça va être un peu plus long à combler, mais le but c'est que ces branches là se développent, celle-là se développe aussi. Celle-là, on peut peut-être les ramener par là. Il y a, voilà, en les travaillant, on va pouvoir essayer d'améliorer tout ça. Ok. Et donc, ah oui, on a le gros Seki Jojo. Très gros, il y a eu deux grosses interventions. Donc, bah, l'année où j'ai commencé, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc, il y avait eu déjà une grosse, grosse taille parce que les branches étaient très, 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 très loin. Oui, il très était... longues, ouais. Avec de la ramification juste au bout. Donc, j'ai dû faire vraiment une grosse intervention au niveau des branches. Donc là... il a bien réagi parce que du coup, enfin, en général, les grosses tailles, les érables, s'ils sont en bonne santé, ils vont bourger dans tous les sens. Donc là, maintenant, j'essaie à chaque fois de le contrôler, mais il y a pas mal de... Là, il va y avoir une petite taille qui va se faire parce que j'ai des départs multiples dans tous les sens. Ah, il y a des départs de sens. Partout, même sur le tronc. Voilà. C'est impressionnant. Donc, il a bien réagi et surtout, on avait rempoté parce qu'il était dans un pot... immense. Immense. Ouais. Surtout très haut. Donc là, ça l'a quand même bien remis au niveau des proportions. Donc lui, il y a quand même, c'est celui qui a le plus de travail au niveau de la ramification à faire. Oui, oui, oui. Et de la silhouette. Voilà, c'est un arbre assez particulier, un peu en mode pieuvre. Ça part un peu dans tous les sens. Il est impressionnant, lui, mais il a un tronc. Il a un tronc. Voilà, impressionnant. Il a un tronc, enfin, je mets ma main. Extraordinaire. Avec je mets ma main à côté. Ouais. C'est ouais. C'est même la roche. La roche aussi. Est, bah, est lui, belle. C'est sûrement le plus lourd de la collection. Tu veux dire en poids. Je crois que même le pin blanc, il est plus léger. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de roche. Ça, c'est vraiment en plus au niveau du pot, c'est le plus gros pot. Ouais. Oui, c'est. Puis, attends, c'est vraiment le monstre. Ouais, c'est le plus gros pot de la collection. Et regarde, si on te voit à côté en proportion, ouais, sachant que tu fais 2 mètres. Il est balèze hein, quand même. Hein. Énorme. Ouais. Mais il a, comme tu dis, un côté très atypique. Ouais. Au niveau de la forme, c'est pas hyper facile à définir. Il est aussi très vieux cet arbre. Oui. Pour un érable, là on voit que l'écorce ça commence vraiment à avoir une belle. Ah, sur la base. Une belle structure. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Donc lui, bah, comme tu l'as dit, donc tu l'as un peu rétréci parce que l'envergure était beaucoup trop importante. Les branches, elles étaient... Ouais, ça touchait les bords. Elles là, allaient hein. extrêmement loin, donc ouais. Ok. Donc voilà, il y a du boulot. Donc lui, on continue, on va dire... On continue à améliorer les branches. La remise à dimension. Voilà. Après, qui on a le charme, peut-être, on peut parler... il y a ce charme-là qui est pas un arbre extraordinaire, mais qui commence à avoir une petite silhouette sympa. J'ai déjà... comme travaux que j'ai déjà fait il y a 2 ans, c'était le rempotage. Oui, d'ailleurs le pot est super. Voilà, parce qu'il était dans un pot pas fou. Pareil, un pot en terre, très gros, très lourd. Donc du coup déjà ça lui ramène déjà dans un... ça change complètement sa silhouette déjà. Et puis après, pareil, il a bien répondu à la taille. Lui, il avait perdu quelques branches aussi, il n'était pas en super forme. Mais maintenant, là, on voit qu'il a bien bourgeonné. Donc maintenant, je vais pouvoir peut-être améliorer un petit peu. Du coup, ce que j'avais envie de faire, c'était toujours le même principe. En fait, les branches qui commencent à monter et se toucher, ça va être de plus tôt. On va les descendre. Je vais les aubaner, je vais les ligaturer pour redescendre un peu la silhouette. Un peu comme ce que tu as fait sur l'autre charme, d'ailleurs. Exactement. Ça va être le même principe. Là, on voit que tout monte comme ça. Là, je vais vraiment réouvrir. Et comme ça, dans cette position-là, on va avoir plus d'espace pour... les branches. Mais c'est pareil, lui je trouve qu'il a une base vraiment intéressante. Alors il y a un ébari qui est un peu caché par, par la mousse, mais il y a un truc, vraiment il est pas, voilà, pour un charme d'ici, il est sympa. Donc après il y a encore des petites plaies, des petites choses à revoir, mais c'est un arbre qui peut, c'est toujours pareil, un arbre, plus on va le travailler, plus on va s'en occuper, plus il va être beau, c'est ça. Moins on s'en occupe, plus il va se déformer, entre guillemets. Mais n'importe quel arbre peut devenir beau si on s'en occupe. En tout cas, il y avait une chose est sûre, comme tous les arbres de la collection du parc floral, il y avait une base superbe et on voit encore le dessin de ce qu'il a été. Donc c'est finalement,
c'est aussi pratique de pouvoir se baser là-dessus pour, pour pouvoir voilà, le remettre en forme. Ouais. Bah, de toute façon, après, ça évolue tout le temps. Il y a pas de... Bien sûr. Le fagus. Ouais. Donc lui, c'était un des premiers arbres que j'avais travaillé. Ouais. Lui, il avait eu beaucoup de fils parce que lui, il avait vraiment bah, justement ce truc de branches qui partaient vraiment vers le haut. Ouais. On avait fait une vidéo dessus. Il y avait dessus, une vidéo hein. Dessus. Ouais, c'était une des premières vidéos, je pense, où j'avais aussi fait pas mal de coupes et de... avec... beaucoup de mastic aussi. Ouais. Mais il y avait eu vraiment pas mal de fils dessus. C'était une grosse journée de voire deux ouais. De mise en forme. Et là, on voit que les branches, bah, c'est ça le but en fait sur les autres feuillus. Là, on voit que les branches, je vais quasiment. Enfin, de toute façon, on verra le travail justement à la fin de la semaine. Là, on va enlever les feuilles pour mieux voir la silhouette. Ça, on peut très bien. Hein. Ça fait partie de l'esthétisme du hêtre. C'est de le voir comme ça dans sa silhouette d'hiver avec les feuilles. C'est ça. Mmh. Mais après, quand on veut travailler l'arbre, il faut enlever les feuilles pour pouvoir mieux voir ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, si on n'avait pas besoin de le travailler, on aurait pu très bien laisser les feuilles comme ça. Et au printemps, quand les nouvelles feuilles vont arriver, les anciennes vont tomber. Mais là, on a besoin de voir, la structure. D'y voir clair pour le travailler et continuer à l'améliorer. Donc ça veut dire que là, vous allez l'effeuiller. C'est ça. Pour pouvoir voir la structure et ensuite prendre des décisions. C'est ça. Il y aura là, on voit qu'il y a des petites branches basses. Par exemple, celle-là, c'est sûrement une branche que je vais couper. Là, on voit déjà la différence de couleur. C'est en plus, c'est un peu rouge. On voit qu'il y a... Et on voit surtout la taille des bourgeons. Mmh. Un bourgeon sain et un bourgeon... Là, ça sent pas bon. En général, voilà. Ça, c'est le genre de, voilà, c'est le genre de branche. On sait déjà de direct que c'est une branche qui est morte. Des fois, il y a des branches, ça va se voir au printemps quand ça va démarrer. On n'est pas sûr, donc on peut la laisser et on voit si ça démarre ou pas. Mais là, ça se voit tout de suite. Hein, l'arbre, il est quand même en très bonne santé. Il y aura de toute façon, faut pas s'inquiéter. Il y a souvent des gens. Dès qu'il y a une branche qui est morte, ils s'inquiètent. Ouais, ouais. Un arbre, dans la nature, il va toujours perdre des branches. Il y aura toujours des branches mortes, plus ou moins importantes. Et puis les charmes, surtout, ils se délestent aussi de certaines branches. Bah, de toute façon, tous les feuillus, ouais. Hein, là on voit par exemple, il y a des chênes au-dessus. Oui. Bon, les chênes, c'est en même encore plus visible. Les grands chênes du parc floral. Mais ouais. il y aura souvent des branches mortes. C'est comme ça, l'arbre il veut grandir. Mm. Donc là clairement c'est un bon exemple du coup de ici beaucoup de branches très fortes, beaucoup de gros bourgeons et c'est souvent les bourgeons les plus gros qui sont sur la tête alors qu'en bas du coup moins de lumière et du coup branches plus faibles et sûrement du coup branches mortes et peut-être même à plus ou moins long terme que cette branche là on n'en aura pas besoin. Là celle-là on voit que clairement, bon elle est encore vivante hein. Donc déjà, on va sûrement la raccourcir et on va voir avec le temps. Et c'est pour ça que c'est très important de bien tailler un arbre, parce qu'en le taillant, on l'équilibre. C'est-à-dire que du coup, je vais plus tailler ici et moins ici. Et si on ne le fait pas, eh ben, on aura de plus en plus de branches mortes ici et de plus en plus de branches qui vont être grosses et disproportionnées sur la tête. Ce qui fait qu'il s'étire et qu'il perd sa forme. En fait, l'arbre ne s'en fout de rester compact. Nous, comme on fait ça vraiment pour cette question d'échelle et de proportion pour faire du bonsaï. Il ne faut pas oublier qu'un bonsaï, quand c'est bien fait, si on le prend en photo, on ne sait pas quelle taille il fait. Mm. Si c'est bien fait dans les proportions. En tout cas, ce fagus là, il est vraiment magnifique. Et ouais. Ça lui va super ce, bien. Ce pot aussi, ce ouais, pot, lui va très très bien. Ce pot est vraiment super. Ouais. Donc lui en 2 ans il a bien changé. Il a bien changé et là même au jour d'aujourd'hui, sans parler des travaux que tu vas faire, on distingue là clairement, là je l'ai en entier, on distingue clairement une forme. Alors il est vraiment balèze, hein. Ouais. Il doit faire 90 cm, 1 mètre. Hein. Quand il est au sol, ouais, je pense qu'il doit s'approcher Du 1 mètre. Hein. Donc c'est quand même un gros arbre. Mmh. Mais il a retrouvé la conicité, il a une forme très sympa. Ouais, non, ouais, les branches et tout sont. Il a fait du chemin, je suis content. Ouais. Quel autre arbre de la collection as-tu en projet ? Il y aura sûrement le petit genévrier là-bas. Ouais, qui est tout mimi. Qui était voilà. Un don particulier, lui, je crois. Hein.
Il me semble, ouais. Ouais, je crois que c'est un. C'est pas un arbre qui était dans la collection originellement, je sais plus, je me rappelle plus, faut que je regarde. En tout cas, il est en bonne santé, il pousse bien, il a un beau feuillage. Donc maintenant, ce serait juste de. Il est très beau comme ça, hein, mais c'est toujours pareil. Le but, c'est en améliorant la silhouette, en ouvrant avec un peu de fil, on aura moins de branches mortes. Et puis savoir ce que tu peux en faire, parce qu'il y a un potentiel. Ouais, il y a un potentiel. Ouais. Donc là, juste avec quelques fils, lui, il va pouvoir déjà avoir un peu plus de gueule, on va dire. La forêt de Picea glauca, bon. Sûrement 2-3 petits coups de ciseau pour que ça fasse moins masse, quoi. C'est ça. Juste recréer un peu d'espace vide. Elle a bien poussé. Elle a bien poussé. Ouais. Elle n'a pas trop souffert de cet été. Non, puis les forêts de Picea comme ça, à part. Aérer un peu, tu peux pas grand chose. On peut mettre 2-3 fils si on a la patience, mais, mais ça peut être très très long. J'ai déjà travaillé une forêt comme ça de, qui venait de tirer une chanson chez un client. Ouais. Et la forêt, les arbres. Oui, mais attends, c'est pas la forêt qui est chez François Bénard. Elle appartient à Jimmy. Exactement. Ouais, elle appartient à Jimmy, tout à fait. Donc, je l'ai c'est l'ancienne forêt de Picea de Rémi Sanson. Exactement. Ouais. Et donc ça, j'ai mis une bonne journée à la tailler et une bonne journée à mettre 2-3 fils dedans. Jimmy, si tu nous regardes. Et en été. Sous un parasol. c'était épique. Ok. On n'a pas du tout parlé des ormes. Oui. Parce qu'il y a quelques ormes. Alors, il y a ceux qui sont là, mais ceux-là, ils sont plutôt. Enfin, la forme est plutôt sympa et belle. Il n'y a pas trop de problèmes. En fait, c'est les ormes. Ils ont déjà des belles silhouettes. Ouais, ces deux-là, sont super. Alors, c'est marrant parce que il y a toujours ce petit tif qui est là. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu. J'ai pas encore vraiment fait de rempotage au niveau des ormes. Lui, je me pose encore la question, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, ou est-ce qu'on le mettrait à côté? En fait, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, ils sont... Mais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à plus ou moins long terme, il y en a un des deux qui va étouffer l'autre. C'est ça. Et pour l'instant, ils vivent en harmonie. Mm-hmm. Ils peuvent vivre en harmonie très longtemps. Mais on si on taille pas. Un peu le livre, parce que là, il est vraiment parti... Le truc, c'est que là, après, il va être gêné. Et à voir. Est-ce qu'on garde les deux, vraiment les deux se développent bien, ou est-ce qu'on prend le risque qu'il y en ait un qui... C'est ça qui gagne l'autre. Pour l'instant, l'if, il est petit. Oui. Enfin, là, il a quand même bien poussé. Hein, mais Le truc, c'est qu'un if, c'est très fort. C'est même peut-être plus fort que l'orme. Ouais. Et que du coup, l'orme, en plus, il est plus vieux. Au bout d'un moment, l'if, il risque de... Prendre l'ascendant. Bon, en tout cas, ces deux ormes-là, celui-là et celui-là, ils ont leur forme originale. La taille a toujours été faite, elle est plutôt bien faite. Oui. Donc finalement. Parce que ça se taille bien justement en forme buisson et c'est pas trop un problème. D'ailleurs, je suis en train de voir, putain, mais il a pas fait d'hiver ou quoi là? Non, en fait, lui, déjà, on voit déjà entre qu'il y a vraiment deux arbres différents. Bien sûr. Et là, du coup, on voit qu'il y en a un, il est plus avancé au niveau des. La perte des feuilles et l'autre qui est un peu plus vigoureux, plus fort. Mais ces deux ormes-là, ils sont, comme on dit, ils sont très beaux, ils ont toujours été bien entretenus, donc il n'y a pas de souci. Mais il y en a un qui pose un peu problème, c'est celui qui est là-bas. C'est en fait, je voulais venir à ça. Je voulais arriver sur lui, parce que lui, sur Roche, cet orme-là, effectivement, il y a un souci dessus, parce qu'il y a un arbre dessus qui est mort, puisqu'il y en a plusieurs. Et donc, on se retrouve avec 4. Il y a 4 arbres, je crois. Après, moi, pour moi, c'est, personnellement, c'est pas un souci. Le nombre te gêne pas, le fait d'avoir un nombre pair comme ça? Franchement, les nombres, nous... Après, c'est si on veut faire comme les Japonais. Mm. Parce que les Japonais sont très superstitieux. Ils ont des chiffres. Bien sûr. Ils évitent certains chiffres. Par exemple, le chiffre 0, ça n'existe pas là-bas. Tu vois, il n'y a pas le... Eux, c'est le 1 directement. Alors, c'est marrant parce que c'est au Japon, mais il y a la même chose en Chine et notamment à Hong Kong. En Asie, ils sont très superstitieux au niveau des chiffres. Ouais. Il y a des chiffres qui portent malheur, etc. Ils sont plus... En fait, c'est pour éviter aussi la symétrie quand on fait des chiffres. Exactement, il y a aussi ça. Oui. Voilà, on évite la symétrie, l'horizontal, vertical, etc. Bon, après, là, l'arbre... Le truc, c'est que c'est 4 arbres qui ont vécu ensemble depuis un certain temps. Si on rajoute des arbres... On verra tout de suite que l'arbre, il sera trop différent des autres. Donc moi, je suis plus partisan de garder ce qui reste. Ouais.
et de continuer le travail. Mais alors d'ailleurs, justement, mais qu'est-ce que tu ferais sur lui? Parce que déjà, tu vois, regarde, là, on imagine que là, ce serait l'URA, ce serait l'arrière, là où je suis, que je trouve vachement intéressant. Et donc, la face avant, on voit beaucoup la roche. Parce que pour moi, c'est un arbre sur roche, en fait. La roche devient le tronc. Et là, elle est énorme. Hein. Ouais. Et pour moi, du coup, il faut continuer à mettre en valeur la roche. Et les arbres, en fait, on va faire des plateaux autour. Donc après, on va continuer le travail. Mais là, cette roche qui est vraiment importante, mm-hmm. toi, tu trouves qu'elle ne gêne pas la vision de l'arbre? Parce que j'ai l'impression que peut-être avant, ça devait être l'arrière. C'est possible. En fait, ça dépend de toujours pareil. La face et la face d'un arbre, la face d'une composition, ça dépend des personnes. Il y a des gens, ils vont préférer la roche. Il y a des gens, ils vont préférer les arbres. Mm. Mais de toute façon, quand on met des arbres sur roche, il faut se dire que ça fait partie de la composition. En fait, bien un sûr. Bonsaï, c'est pas un arbre. Un bonsaï, c'est le pot, là, s'il y a la roche et les arbres. En fait, c'est tout ça, le bonsaï. L'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur? Donc, si on veut mettre en valeur la roche, la face, c'est là. Là, en l'occurrence, si c'est ça le point pour de vue. Pour moi, en tout cas, je trouve ça plus intéressant. Après, pour l'instant, là, les arbres, ils fuient un peu par là. Ouais, ils sont complètement derrière. Et c'est vrai que finalement, tu as deux points de vue. Parce que quand tu le regardes ici, avec ces espèces de racines aériennes. Ouais. Moi, je suis moins fan de ce genre de tube. Oui, là, c'est un tube, ouais, bien sûr. Et même si là, c'est intéressant de voir le truc qui rentre là-dedans, qui ressort. Je trouve que la roche, elle parle plus de ce côté-là. Mais c'est. Parce qu'il y a une entrée. C'est juste parce qu'il y a une entrée. Ouais, ouais. Bah, après, ça dépend. Moi, je suis plus fan d'ici. Et là, imaginons, c'est une question vraiment comme ça, hein, mais est-ce qu'il serait envisageable de tailler la roche? Ou c'est quelque chose d'inenvisageable? Bah, en fait, ce serait un peu. Bah, le problème, c'est que si on taille, parce que là, on voit que la roche, elle est vieille, ouais. Il y a du lichen, ça se voit que ça fait longtemps qu'elle est là. Si on la taille, on va tout de suite le voir. C'est clair. Ça enlèvera la patine du vieux. Enfin, moi, je vois pas. La roche ne me dérange pas du tout. D'accord. Pour moi, à la limite, un peu plus de mousse, des fougères, on peut l'agrémenter. Remplir un peu, ouais. Et puis tailler encore. Peut-être la diriger plus vers un ishizuki comme celui qui est là-bas, où il y a presque des arrangements avec des zones avec de la mousse. Il y a plein de possibilités. Mm. Pour l'instant, moi, c'est plus améliorer la forme des arbres. D'accord. La roche me pose pas de problème. Donc lui, tu serais sur une continuité de travail au niveau du végétal. Voilà, c'est plus les arbres qui sont moins intéressants. Que les autres arbres. Donc, parce qu'ils ont des formes un peu plus. Bah, du coup, ça fait un peu plus style penjing. C'est ça. Et c'est très. Avec des formes très. Des lignes très droites. Donc, à voir si on continue dans ce sens-là ou pas. D'accord. Celui-là, il est incroyable parce que déjà, il a une forme complètement atypique. Ouais, il avait une forme vraiment très spéciale. Moi, je l'appelle l'araignée. Ouais, il y a un côté un petit peu. Insecte un peu. Sur alors, patte, là. Lui aussi, pareil, t'as descendu les branches sur lui? Ouais, en fait, du coup, lui, moi, ce qui m'avait. Je l'ai travaillé. Au début, c'était pas prévu. Et en fait, quand il était là dans les coursives, je le voyais, il était un peu sombre. Et en fait, il était tout noir, tout gris. Là, on le voit encore un tout petit peu ici. Mais ouais, il était vraiment très, très noir. Et partout. Hein. Et j'ai dit à Sulan, mais t'as vu que là, il est vraiment. Il est sale, en fait, il faut le nettoyer. Et donc, j'ai commencé à le nettoyer pour montrer à Sulan la différence de couleur au niveau de l'écorce. Mm-hmm. Parce que ça, c'est sa vraie couleur. Ouais. Et qu'en fait, c'était tout sombre, tout noir. Et en fait, après, j'avais les mains dedans et après, je voyais les branches qui étaient très longues, très hautes. Je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse un truc dessus. Et donc, j'ai commencé à mettre des haubans, à mettre 2-3 fils, à raccourcir les branches qui étaient ici, ce qui allait un peu trop vers le bas. Et moi, je le trouve assez exceptionnel cet art parce qu'il est, il est complètement atypique. Ouais, vraiment, il y a des uns de cette forme-là, j'en ai jamais vu. Normalement, c'est une forme plus ou moins un peu, pas comme les érables, mais c'est un port un peu en mode. Là, il est presque en néagari, tu sais, avec les racines aériennes, mais t'as vraiment l'impression, tu sais, qu'il est sur pilotis. Ouais, on dirait vraiment un arbre des marécages, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que là, tu lui as redonné une forme, en fait, qui va être très sympa. Ouais. Après, le but, c'est d'avoir des branches quand même un peu moins longue, même si ça fait quand même sa spécificité. Bien sûr. Mais le but, c'est d'avoir plutôt une ramification comme ça, plus proche du tronc. Puis tu lui as refait une tête aussi, à lui aussi. Voilà, en fait, la tête, ça va être avec tout ça, là. Mm. Donc,
En feuille, en tout cas, il aura l'air un peu plus joli que l'année dernière. Lui, on verra si on le rempote dans le même pot cette année ou pas, selon le temps qu'on a. Même si le pot est quand même assez sympa, là. Hein. Ouais, ça lui va... Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait peut-être un peu juste. C'est vrai. Mais il est tellement large. Et il pourrait presque avoir un pot un peu plus atypique. Qu'il... Parce qu'en fait, c'est un pot très classique. C'est vrai. Très beau. Mais peut-être que si on arrive à trouver un pot un peu bizarre, ça pourrait être marrant aussi. Un peu bizarre, de lui. Enfin, un pot atypique pour un arbre atypique. Bien sûr, oui, tout à fait. Et puis à côté, on a le sol. Le sol pleureur. Donc du coup, là, le gros, la grosse partie qui était morte, j'ai écorcé pour faire un bois mort. Un petit bois mort, ouais. Donc après, ça se retravaille avec le temps, mais c'était un truc qui venait vraiment jusqu'ici. Mm-hmm. Et ça faisait vraiment une sorte de gros morceau. Et là, il retrouve réellement la forme qu'il avait à l'époque où Alain Barbier l'avait fait. Parce que moi, je l'avais jamais fait attention à ça à l'époque. Non, c'est clair. Et je te montrerai des photos qu'il m'a envoyées. Il était vraiment exactement comme tu l'as fait là. Okay. Donc là, voilà. Là, maintenant, il y a moins de gros fils. Mais j'ai redescendu encore les branches. Et là, on était en train de voir avec Sulane, du coup, est-ce qu'on garde ce pot-là ? De toute façon, lui, ça peut être rempoté presque tous les ans, tellement que ça fait des racines. Ouais. Mais ce pot est sympa, hein ? Ce pot lui va bien, il fait peut-être un peu juste. On était en train de se poser la question à peut-être changer avec le pot du Ginkgo. Ah, oula, ça serait pas un peu trop haut ? Bah, en fait, il lui faudrait de la profondeur. D'accord. Le côté bleu pour un peu l'eau, etc. Pour le saupoudreur. Ah, ok. Ça lui donnerait encore plus de place pour qu'il pousse. On fera un test. Parce D'accord. que lui, okay. il commence à être compact. Et le Ginkgo, à voir peut-être qu'on retourne dans un truc un peu plus chinois. D'accord, donc attends, je suis pas dessus. Et le rouge, ce genre de pot. Ah oui, ce genre de pot là, d'accord. Ça lui irait pas trop mal. D'accord. Parce que les Ginkgo, ça se met aussi souvent, comme c'est un conifère, ça se met aussi souvent dans des pots non émaillés. Le Ginkgo, c'est un conifère, c'est fou quand même. Ouais. D'imaginer ça. C'est ça. Donc c'est quand même un conifère, mine de rien. Et comme c'est quelque chose de... Bah à la base, c'était comme une espèce chinoise. Hein. Mm-hmm. Donc lui mettre, remettre un peu varié, plutôt que de mettre que des pots un peu émaillés. Voilà, on lui met plein de petites pièces d'or au pied. L'arbre au mille écus. Ouais. On met des pièces d'or comme ça, on est dans le concept. Non, pas besoin. Pas besoin. Là, on va avoir énormément de monde pour la visite du parc, tu sais. C'est clair. Lui, on va essayer de voir pour le mettre dans un pot plus plat. Et pareil, c'est quelque chose de très penjing chinois. Donc mettre dans un pot qui serait comparable d'ailleurs entre parenthèses à les pots qui sont actuellement utilisés pour les autres armes de Chine d'ailleurs, puisque c'était celui-là, c'était ce pot, c'était d'ailleurs celui-là. Exactement. C'était ce pot qui était sur l'autre arme de Chine, ouais, d'accord. Mais ok, on a voulu faire un peu plus petit à l'heure. Mais c'est vrai que sur la roche, ce pot là qui est un peu profond, effectivement, et côté rouge aussi, ça va ressortir un peu. D'accord, donc potentiellement un changement de pot pour mars-avril alors. Parce que ouais, celui-là, on n'a jamais rempoté celui-là. D'accord. Enfin moi, en tout cas, j'ai ouais, pas... Ouais. Donc lui, ça c'est le résultat avec tous les haubans et tout ça. Donc là, beaucoup plus compact. Là, on voit bien la forme un peu triangulaire. Ouais. En redescendant un peu tout et en sélectionnant bien chaque ramification. Pour le coup, je pense que ça va être sa plus belle année, 2023. On va voir. En général, c'est un arbre qui répond bien aux travaux, aux tailles. Donc, et sûrement rempotage dans le même pot, parce que là, ça commence à être très compact. Oui, mais le pot est magnifique. Donc, ça, de toute façon, le pot là, lui va très bien. Ouais. Alors là, je pense que le Bergerianum là, de la collection, il faudra venir le voir cet été, parce que... Il va être exceptionnel. Hein. Entre la mise en forme que tu as fait, le fait de baisser les branches avec le hauban, etc. Nettoyer la roche, parce que tu as nettoyé le... On avait nettoyé un petit nettoyé peu. Nettoyé l'écorce et la roche aussi. Ouais. Donc et après, ça va être surtout quand il aura plus les fils. Bien sûr, donc, bien sûr. Dans un ou deux ans, le but, c'est qu'il soit encore plus ramifié, sans les haubans, sans tout bien ça. Sûr. Et qu'il sera encore plus beau. Alors, il y a aussi un arbre de la collection qui passait inaperçu avant, c'est ce camélia, et il passait inaperçu parce que effectivement, il y avait pareil, il avait plus vraiment de forme et il était un peu buissonnant et tu l'as repris et là, il commence à retrouver un peu un aspect bonsaï. Ouais, beaucoup plus compact. Donc du coup, là, j'avais fait une grosse taille l'été dernier. Oui. Et il a bien redémarré. Là, il a fait plein de tiges, très, très vigoureux, là. Plein de bourgeons. Par contre, le mystère avec cet arbre-là, c'est que on m'a dit qu'au niveau fleurs, c'est un peu compliqué.
Ouais. Donc après, on ne l'a jamais vraiment rempoté. Mm-hmm. Il y avait eu un transpotage peut-être parce que c'était vraiment très compact et que ce n'était pas la saison de rempotage. Mais là, on va vouloir, va falloir remettre ça dans des bonnes conditions, mm-hmm, pour voir. Mais bon, voilà, on va attendre. On va attendre ce printemps, si on a le temps. Tu ferais là mars-avril le rempotage sur lui ? Possible, ou alors un peu plus tard. À d'accord, voir. Ok. À voir, à voir. Et est-ce que tu le laisserais dans le même pot ? Pour l'instant, justement, c'est ce qu'on a regardé. Le pot fait un peu grand, mais on n'a rien d'adéquat. Moi, j'aime bien. Et ouais, les camélias, on les voit souvent dans des pots bleu nuit. Ouais. C'est très foncé. Je trouve que les bleus, ça va bien avec les camélias. Bon, après, vu la taille de cet arbre-là, un pot bleu comme ça, c'est un peu compliqué. Mais ça se trouve. Ouais. Donc, mais ça veut dire rachat de pot, quoi. Voilà. De toute façon, là, on a fait le point sur les pots qui a acheté, qu'est-ce qu'on allait mettre dans quoi, les substrats à acheter, les matos à acheter. Donc, c'est dans la liste et on va voir. D'accord. Okay. C'est dans la to-do list. Mm. D'accord, bah écoute, lui vraiment pareil, je trouve mais que c'était. Beau, ouais. Et puis c'était un arbre, tu sais, qui, à mon sens, était un peu sous-coté dans la collection parce que bah, vu qu'il avait plus de forme réellement, il était un peu mis de côté. On va pouvoir retailler encore là, ouais, qu'il a dépassé, là. Et là, pareil, il commence à revenir dans des critères. Et là, même après, hein, du bon pouvoir baisser un peu facilement les branches. Facilement redescendre les branches et refaire des plateaux. Ça, c'est assez flexible sur des branches comme ça, plus compliqué sur des grosses branches comme ça. Mais il y a pas mal de. Ça va être assez facile, oui, oui, hein, oui, de haubaner et de redescendre tout ça. Parce que là, on voit clairement les branches qui montent très haut. Donc là, tout ça, ça va pouvoir redescendre. Je vais pouvoir lui redonner aussi. Et donc, il aura. Là, cet espace-là. Bien sûr. Clairement, et comme ça, il sera plus compact et la forme sera encore plus distincte. C'est ça. Super. Bah alors lui, pareil. Alors donc cette année, on va le suivre parce que ce serait intéressant de savoir s'il va fleurir cette année. C'est mystère bah, la boule de gomme. Bah pas cette année en tout cas, parce que là, tous les bourgeons qui sont là, c'est des bourgeons pointus. Et les bourgeons pointus, c'est des bourgeons à feuilles. Les d'accord, bourgeons à fleurs sont arrondis. Arrondis. Ils ouais, sont vraiment pas du tout pareils. Et là, il y en a pas. Il y en a pas. Il a que des bourgeons à feuilles. Mm. Bon, bah donc écoute. Ce sera pour 2024. Possible, en tout cas, il est vigoureux, il est hyper vigoureux et il est fort. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Le fait qu'il soit fort, ce vert, ces feuilles d'un vert aussi, aussi prononcé et tous ces bourgeons, voilà, il a la forme. Mm. Ah. Super, pour lui, c'est bon. Et il nous reste aussi l'osmanthus qui est. Bah, c'est une espèce rare. Espèce assez rare en bonsaï, ouais. Qui est assez, oui, il bouge pas, hein. Il est costaud. Bah, il pousse doucement. Après, je l'ai bien taillé. J'ai taillé pas mal de grandes branches parce qu'il était quand même très, très, beaucoup plus grand que ça. Hein. Oui. C'était l'année dernière. Et il a fait des petites fleurs blanches qui sont en forme de clochette. Elles étaient là quasiment au même moment de l'événement. Oui. En octobre. Il me semble qu'elles étaient là à ce moment-là. Mais c'est une espèce que je connais très peu, mais qui est assez vigoureuse. Et il avait bien répondu au rempotage qui avait été fait au printemps 2022. Et donc voilà, pour l'instant, c'est sûr que ça ne pousse pas, ça pousse pas super vite. Mais dès qu'il fait un peu chaud, là, printemps-été, en général, il répond bien. Ouais, j'ai pas de problème avec lui. Ouais, lui, il est fort, on va dire, vraiment. Mais après, pareil, le but, ça va être peut-être de redescendre un peu ces branches-là, ouais, qui commencent à monter un peu. Il y a peut-être encore des améliorations au niveau de l'esthétisme de cet arbre. Ce tronc avec le bois mort, avec là, le bois mort au milieu. Ouais, assez, mais je sais pas comment ça réagit, l'osmanthus. Le bois a l'air assez dense. Ouais, c'est ça. Hein. Il a l'air d'être assez solide. Donc, bon, à voir. Bah écoute, on a fait presque le tour de la collection parce qu'il en. Enfin, on n'a pas fait le tour hein, parce qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres, mais c'est les principaux. C'est les principaux, ouais. Il est en train de pleuvoir. Ouais, donc, je me dis, on arrête là et on continuera peut-être lors d'une deuxième session pour. Parce qu'il y a les azalées, il y a les satsuki dont on n'a pas parlé. Ça va être cet été, ouais. Ouais. Il y a le livre dont on n'a pas parlé, mais que t'as remis en forme et qui est magnifique. Et donc, ouais, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Bon, alors lui, notre bon vieux Goyo Matsu, il est toujours en convalescence, donc on n'a pas grand-chose à dire dessus. Ouais. Bon, après, il fait des magnifiques bourgeons. Ouais, c'est clair. Donc, on verra cette année. Et puis l'autre aussi, on a la forêt là, de
Bon, Yossé aussi, Multitron, qui est pas en super forme non plus. Ouais. Bon, là, alors en l'occurrence, là, le Shizuki, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Il y a eu une petite taille qui avait été faite avant l'événement. Ouais, elle est magnifique, hein, vraiment. Donc, là, après lui, plus tard, ça va être de rajouter des petits fils pour améliorer la forme. Mais il n'y a pas grand chose. Bon, bah écoute, c'est cool, on va écourter parce qu'il flotte. Mais merci JP. Ouais, je t'en prie. Donc on se tient au courant pour la suite. De toute façon, vous pourrez venir voir toute l'évolution de la collection, l'évolution régulière, puisque la collection est accessible gratuitement quand vous êtes dans le parc floral. C'est ça. Et puis nous, on va suivre ces travaux, ce que tu vas faire sur les arbres que tu as décrits là, et on va voir l'évolution. Mais cet été, je pense qu'on va avoir... voilà, hein. Surtout sur les feuillus, ça va faire un gros changement. Ça va faire une petite différence, ouais. Ça va faire une différence. Je te remercie, JP. Je t'en prie. Allez, on va se mettre à l'abri. Ouais.